Oh. Père éternel Dieu, c'est dans ta présence que nous sommes. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous sommes venus devant celui qui a la capacité de tout changer. Éternel Dieu, nous sommes entrés ici avec des chaînes, mais nous savons que nous sortirons libres. Éternel Dieu, nous sommes entrés ici malades, mais nous sortirons guéris, car ta présence est là et ta main nous touche. Ta présence est là, ta main nous touche. Ta présence est là et ta main nous touche. Oh. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu m'emmènes, oui, dans l'épreuve de ta sainteté. Tu m'emmènes en ce lieu. Tu m'emmènes en ce lieu. Tu m'emmènes dans ta profondeur. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Glory to glory, glory to glory. Ce que j'ai vécu hier, c'est bon, mais aujourd'hui je veux plus. Éternel Dieu, ce que j'ai vécu hier, c'était bien, mais aujourd'hui je veux mieux. Plus encore, de gloire en gloire, de plus haut, plus haut, plus haut. Dans ta toute puissance, là où tu es, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oh oui, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Plus haut, plus haut, plus haut. Et si Kamoto a commenté, et si Kaelia a commenté, Ratakasa, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Plus haut, plus haut, plus haut. Hey, hey, Namata, Namata, hey, hey, Namata, Namata, Namata. Namata, Namata, hey, Rateka Zika, Namata, Namata, hey, Naranakasa, Yapataka, Tayaka, Ekati, Rota, Yakasa. Hey, ce que l'œil n'a point vu, Éternel Dieu. Quand tu nous as appris à prier, tu as dit, dites, donne-nous notre pain quotidien. Oh Seigneur, le pain d'hier, j'ai mangé, je suis rassasié. Je veux le pain d'aujourd'hui. Père éternel Dieu, la dimension d'hier est déjà passée. Les miracles d'hier sont déjà passés. Éternel Dieu, les résurrections d'hier sont déjà passées. Je veux une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience. Le pain quotidien. Le pain de ce jour, le pain de ce jour. Oui, Tokiasa, Harani Sutekai, Ratani Sakai. Plus haut, plus haut, plus haut. Eh, 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 eh. Sala, Namata, Namata, eh. Sala, Namata, Namata, eh. Namata, Namata, eh.
aigle, comme un aigle, comme un aigle dans les hauteurs. Fais-moi monter, fais-moi monter, comme un aigle, Seigneur, comme un aigle. Je t'en prie, fais-moi monter. Fais-moi monter. Comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle. Itakaya, comme un aigle. Vas-y, fais-moi, fais-moi monter. Plus haut, plus haut. Fais-moi monter. Comme un aigle, comme un aigle. Comme un aigle, comme un aigle. Fais-moi monter, fais-moi monter. Plus haut, fais-moi monter. Comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle. Comme un aigle, comme un aigle. Fais-moi monter, fais-moi monter. Namata, namata, hey! Namata, 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 hey! Namata, 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 hey! Rana kasayama, sala namata, namata, hey! Yes, namata, 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 sala namata, namata, hey! Rata yaka, namata, namata, hey! Seigneur Dieu, ils viendront par un seul chemin, ils rentreront par sept. Car tu m'as rempli de toi. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept. Car tu es avec moi. Yahweh Yosa. Nangambo nanga. Nako bangelo. Yahweh Yosa, Yahweh Yosa, tu es à mes côtés, Seigneur. Nangambo nanga. Nako bangelo kote. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Est-ce que cette salle peut chanter? Nako banga nanyango. Yahweh Yosa, nangambo nanga. Nangambo nanga. Est-ce que les instruments peuvent baisser? Nako bangelo kote. Ah, je peux chanter avec l'assemblée. Hello à côté. Yahweh Yosa, Yahweh Yosa. Bembeni nanga, bembeni nanga. Nako banga na nyango. Hello côté. Onga nako banga bangote. Azaba ekama eloko nakoba mabangote azaba ebele nandako nangai. Tu les laisseras forger des armes bakobeta kasi po esala eloko te eloko. Tu les laisseras forger des armes contre moi bakobeta kasi po esala eloko. Tu les laisseras former de complots contre moi. Kasipo et Sala Elo. Tu les laisseras venir par un seul chemin. Bakozonga Banzela Samo, je les sais. Tu les laisseras forger des armes contre moi. Bakobeta, Kasieko Salaria. Elo, Elo, côté, Elo.
instruments. Avec les instruments, est-ce qu'on peut être en train de prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut être debout de nos chaises, joindre nos mains? Nous sommes en train de prier pour nos requêtes. Si tu as porté tes requêtes, viens déjà le déposer sur l'autel. Si tu as porté tes requêtes, viens déjà le déposer sur l'autel. Est-ce que tu peux être en train de prier? Est-ce que tu peux être en train de prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Libère-moi la dimension là où tu te trouves. Libère-moi la dimension là où tu te trouves. Osobonde losobe tamaboko. Osobonde losobe tamaboko. Osoloba atabaye 100 000. Atabaye 10 000. Bako salama elokote. Nabomba mana nzambe. Nabomba mana kati ankolo. Nabomba mana makolia Yesu Masia. Nabomba mana couverture ya Lola. Est-ce que pour qui te tombe la mongongo peko bodela? Est-ce que tu peux laisser ta chaise? Est-ce que pour telema bodela, telema bodela, telema bodela, osobonde losobe tamaboko, osobonde losobe tamaboko. Tu es en prière, tu es en prière. La ramène les braya la bayata. Tu n'es pas en train de regarder un voisin. Ne sois pas en train de regarder le voisin. Ne sois pas en train de me regarder. Sois en train de prier au ciel. Sois en train de prier à Dieu. Sois en train d'invoquer l'Éternel. Sois en train d'invoquer le roi de rois. Sois en train d'invoquer le roi de rois. La rabia d'amande levé. Manana rabayan de levé. Eria la ve. Nanana ve. Nanana ve. Yara la ve. Sobria la ne. Nanana ve. Yara le va. Que Dieu bénisse celui qui prie avec son cœur, avec son cœur. Nous prions. Est-ce que l'ensemble peut dire le côté plus fort? Ayo yo na koba mate na kolinga te o. Tu déplaces les montagnes, renverse
Nous avons vaincu. Élève ta voix et dis cela. Élève ta voix et dis cela. S'il y a une personne qui a vaincu simplement par la grâce de Dieu, est-ce que cette personne peut acclamer tout en poussant les cris de joie? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? Est-ce que je peux voir des enfants de Dieu qui seront en train de faire plus que ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour tes cris de joie. Que Dieu te bénisse pour ton atmosphère. Est-ce que pendant 2 secondes, on peut changer un peu les choses? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent un peu sauter? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent bouger? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent libérer l'atmosphère aux voisins? Oh my God. Simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, nous serons bénis par un homme de Dieu merveilleux. Et lui nous fera énormément du bien. Et je pense que toi, tu seras fortement béni. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sera fortement béni? C'est un homme qui a beaucoup, beaucoup de profondeur dans ses enseignements. C'est un homme qui, quand il prêche, il faut bien l'écouter. Alors dis à ton voisin, écoute-le bien. Dis-le à ton voisin, écoute-le bien. Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Homme de Dieu, est-ce que vous approchez? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Wapi mololo na yo, wapi mololo na yo. Est-ce que combien de la zambe ma bon quoi bien? Alléluia. 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 Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Ton amen me pousse à te suspecter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce cantique qui vient dans mon esprit qui dit ceci. Si le Dieu des esprits de prophète me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophète me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que le Dieu des esprits de prophètes me touche. Oh, oh Yahweh. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, oh, aime-moi, et aime-moi, et soutiens-moi, et papa, aime-moi, et soutiens-moi, aime-moi, et aime-moi, et aime-moi, et aime-moi, et en ce lieu.
Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois. La Shekinah, elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois là, oh oui, je l'avais. 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 Madame Braille de la débauche. Tendre ami Saint-Esprit, je te recommande ce moment. Parle à un cœur. Parle à un cœur. Nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prêcher, j'aimerais m'acquitter de ces devoirs. C'est lui de dire un merci pour, à Dieu pour cette grâce qu'il me fait encore d'être là au milieu de vous. Et je dis encore un grand merci au pasteur Giovanni de nous avoir associés à cette œuvre. La chair est chère lorsque quelqu'un te cède sa chair. C'est qu'il te considère. Amen. Et je dis un grand merci aussi aux gens qui m'ont accompagné de partout où vous êtes, balancés juste vos mains. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Alors, on veut faire un geste. Est-ce qu'on peut encourager la chorale et les instrumentistes par les acclamations? Amen. Alléluia. Naembi bien fort. Il m'a couvert. Alléluia. Amen. Alors, si on peut se rasseoir. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, je t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Alors, dans ces grands thèmes, le prison familiale. J'aimerais en fait ajouter cette pierre à cet édifice bâti par les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Alors mon sous-thème sera la bataille avec les diables est normale. Mais la défaite est anormale. La bataille avec les diables est normale. Mais la défaite est anormale. Si rapidement, je vais lire la parole de Dieu. Pour la rapidité, je demanderai à l'interprète de patienter un tout petit peu. Exode le chapitre 13. Le verset 21. La Bible déclare: l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et Exode le chapitre 17, le verset 8, la Bible déclare ceci: Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Et si rapidement je lirai un passage du Nouveau Testament dans 1 Jean le chapitre 4, le verset 4. La Bible déclare: vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Permettez-moi de toucher un peu Genèse. Genèse, le chapitre 3. Le chapitre 3, les versets 14, la partie C. Et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Alors Genèse, le chapitre 19, à partir du dernier verset. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous allons finir avec Jean, le chapitre 3, les versets 6. Jean, le chapitre 3, les versets 6. La Bible déclare ceci. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui naît de l'esprit est esprit. Acclamons la parole de Dieu. Allah, tu m'avais acclamé, acclame la parole de Dieu. Ton acclamation ne me convainc pas pour prêcher, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si on peut se rasseoir. Tofandi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une vérité. Tout chrétien doit comprendre ceci. Que la vie chrétienne n'est pas une vie exemptée de combats. Naître de nouveau ne signifie pas que tu ne seras plus combattu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance vous introduit dans une vie de victoire face au combat. Écoutez-moi très bien. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ n'a pas tuer le diable. Mais l'œuvre de la croix de Jésus-Christ lui a retiré le pouvoir. Et le diable peut avoir, bien aimé dans le Seigneur, les intentions, le vouloir de te combattre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Il n'a pas le pouvoir. Et lorsque tu comprends cela, qui est bien aimé dans le Seigneur, être enfant de Dieu est une vie dont le combat est normal et la défaite est anormale. Amène des choses dans ta vie. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, t'empêche d'être agité face au combat. Mais la deuxième des choses, cela te responsabilise. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu responsabiliser une personne. À chaque fois que tu perds face au diable, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est toi-même. Alléluia. Amen. C'est toi-même. Et lorsque vous lisez très bien mon thème, vous allez voir, bien dans le Seigneur, il y a des mots que je mérite définir. Le premier concept, c'est la bataille. Lorsqu'on parle de la bataille de façon très simple, on parle premièrement d'une lutte. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la bataille, on parle d'un combat, bien aimé dans le Seigneur, qui engage des armées. Et quand on parle, bien aimé dans le Seigneur, du second concept normal, on parle bien dans le Seigneur de ce qui est habituel, ce qui est naturel. Quand je dis c'est normal, c'est ce qui est habituel, c'est ce qui suit les règles, c'est ce qui doit se passer ainsi. Mais bien dans le Seigneur, lorsque nous parlons du diable, ces mots-là, diable, ce nom en grec veut dire diabolos. Diabolos en grec. Alors, diabolos signifie un calominateur. Ou celui qui divise. Mais vous devez savoir une chose. Que diable, ce n'est pas le nom propre de Satan. C'est un nom qualificatif. Lorsque on l'appelle diable, c'est pour parler de sa mission. Qu'il vient diviser les hommes avec Dieu. Et diable, même dans le Seigneur, vous le saviez avec moi, c'est ce ange qui était chargé de conduire le culte dans les ciels. Autrefois, il était Lucifer. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cause de la rébellion, Dieu l'avait expulsé du ciel. Et il est devenu un diable. Et lorsque je parle bien aimé dans le Seigneur de la défaite, quatrième concept, la défaite, je parle de il y a là des idées cachées. La première idée, lorsqu'on parle de la défaite, on parle de l'insuccès.
un succès. Kozanga kolonga. Et la deuxième idée, lorsqu'on parle bien dans le Seigneur de la défaite, on parle de l'échec. Y a eu des années copola, copola. Et quand on parle bien dans le Seigneur, anormal. De façon très simple, c'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qui sort des règles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les textes que je viens de lire, Matangawa. Surtout mon texte de base, c'est Exode, le chapitre 13, 21 et 17, verset 8. Alors permettez-moi d'établir un peu quelques fondements. Vous savez, même dans le Seigneur, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament sont écrits généralement par trois aperçus. Le premier aperçu, c'est l'aperçu historique. Cela nous permet même dans le Seigneur de connaître l'histoire. L'histoire de ces peuples qui ont marché avec Dieu. Mais même dans le Seigneur, le deuxième aperçu, c'est l'aperçu prophétique. Qui nous permet de voir Christ, Christ au travers des événements, au travers des personnes de l'Ancien Testament. Mais même dans le Seigneur, le troisième aperçu, lorsque nous lisons les textes de l'Ancien Testament, c'est même dans le Seigneur, dans cet aperçu instructif. C'est dans cet aspect même dans le Seigneur où on tire des leçons spirituelles. Raison pour laquelle Paul dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction. Alors lorsque nous lisons la marche des enfants d'Israël avec l'Éternel dans le désert, cela même dans le Seigneur a beaucoup de leçons spirituelles avec nous et l'Église. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes en train de lire Exode le chapitre 13, on nous parle comment est-ce que l'Éternel marchait avec les enfants d'Israël. La Bible déclare ceci. La journée, il était bien aimé dans le Seigneur, cette colonne de gloire. Et la nuit, bien aimé dans le Seigneur, il marchait devant eux comme il niait le feu. Mais je me pose la question. Pourquoi colonne de gloire? Pourquoi de gloire et pourquoi colonne de feu? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans les déserts, il faisait tellement chaud. Et quand l'Éternel s'est manifesté, comme bien aimé dans le Seigneur, il niait de gloire. C'était pour empêcher les rayons solaires de les toucher. Ils étaient dans les déserts, mais ils bénéficiaient de la fraîcheur. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'être dans un endroit, dans un endroit bien aimé dans le Seigneur stérile, et vivre des choses bien aimé dans le Seigneur qui diffèrent de cet endroit. Alléluia, j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne. Ah, tu seras dans cette famille où les gens ne se marient pas. Mais toi, tu te marieras à cause de la présence de Dieu. Pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Parce que la présence de Dieu nous fait entrer dans la loi des exceptions. Alléluia. Donne-moi la main que je prêche. Acclamez d'abord pour mon interprète. Il me donne envie de prêcher. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu jouis bien-aimé dans le Seigneur de la loi des exceptions. Parce que Christ, en venant dans le monde, bien qu'il était né sous la loi, mais il était né bien-aimé dans le Seigneur aussi avec la loi de l'exception. Tous ceux qui sortaient d'Adam étaient bien-aimé dans le Seigneur esclaves de la loi du péché. Mais Jésus est le seul être humain possédant la chair humaine et ne pas être esclave bien-aimé dans le Seigneur du péché. J'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas la famille, car la présence de Dieu nous fait entrer dans la loi des exceptions. On nous présente là bien-aimé dans le Seigneur Dieu qui accompagnait son peuple. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Refidim, on voit bien-aimé dans le Seigneur les Amalécites venir les combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Lorsque les Amalécites viennent les combattre, ce n'est pas que Dieu n'était plus avec eux. Dieu était avec eux. Pour te dire ceci,
La présence de Dieu dans ta vie n'exclut pas les combats. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est très impoli. Alléluia, il est très impoli. Il est possible de te combattre avec Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est un combat perdu d'avance. Parce que la victoire est de ton côté. Parce que la victoire est de ton côté. Nous voyons là les peuples de Dieu marcher avec Dieu. Mais l'ennemi venir les combattre. Et quand vous lisez aussi le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y avait Dieu avec les apôtres. Mais l'église était quand même persécutée. On les lapidait. À plusieurs reprises, les apôtres les ont fouettés. On les a mis en prison. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Dieu était avec eux. Mais j'aimerais vous dire une chose. Les combats. Bitumba. Est normal. Alors voici mon premier point. Les combats ou la bataille avec le diable est normal. Ce soir, je suis venu ridiculiser le diable. Amen. Alors ton amen ne me convainc pas. Amen. Cela me pousse même dans le Seigneur à penser comme si tu es l'un de lui. Alléluia. Amen. Ce soir je suis venu ridiculiser les diables. Il y a la personne avec qui à côté de toi dit nous allons ridiculiser Satan. Et quand on est tenté même dans les scènes de parler de prison, ce n'est pas pour élever les démons de nos familles. L'objectif, c'est seulement pour humilier Satan. Même dans les seigneurs, ces assises, même dans les seigneurs. On est là de nous rendre conscients des combats spirituels. Mais même dans les seigneurs, viens aussi nous rendre conscients que le diable est faible. Alléluia. Oh, Azamotabotaou. Azamotabotaou. Moutalibunga. Alléluia. Amen. Azazololo. Zololo. Alléluia. Amen. Onction linga le kiti. Amen. Alléluia, clame Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat avec le diable est normal. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'une des premières choses qui fait que l'ennemi puisse te combattre ou combattre ta famille, c'est parce que bien-aimé dans le Seigneur, il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur, la raison principale que le diable s'était rebellé au ciel, c'est parce qu'il voulait être comme Dieu. Et lorsque cela n'a pas marché, on l'a chassé. Alors Dieu, pour humilier Satan, il est descendu sur la terre. Il a pris la boue. Il a créé la boue à son image et à sa ressemblance. Même dans le Seigneur, la raison de combat dans ta vie, c'est parce que tu es créé à l'image de Dieu. Le fait d'être à l'image de Dieu, même dans le Seigneur, cela rend le diable, même dans le Seigneur, jaloux. Raison pour laquelle, lorsqu'une personne vit dans le péché, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il amène même dans le Seigneur à enlever l'image de Dieu en lui. En les poussant à faire des choses que même les animaux ne peuvent pas faire. Bien aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle l'ennemi combat ta vie, combat ta famille, c'est parce que tu es créé à l'image de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Tu es ce que le diable a rêvé être dans le ciel. Alléluia. Amen. Le diable rêvait être comme toi. Mais lorsque Dieu l'a créé, Dieu n'a jamais créé à son image. Mais quand il s'agissait même dans le Seigneur de créer l'homme, Dieu dit ceci: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le jour où l'homme était créé sur terre, le diable était jaloux. Le diable était jaloux. Et il a pris l'initiative de les combattre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle quand tu vois les diables te combattre, c'est normal parce qu'il est jaloux de toi. Il est jaloux des privilèges que toi tu as. Parce que les jours où lui il a péché, il n'y a pas eu de sacrifice pour lui. Il n'y a jamais eu de sacrifice pour les diables. Mais lorsque toi tu as péché, les fils de Dieu, oh my God, ce n'est pas un ange qui était donné. Ce n'est pas bien-aimé dans le Seigneur un archange qui était donné. Moi, j'ai mon sousou. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un. Pour Dieu. Pour Nzambe. Oh my God. Nzambe nangai. Écoute, Yoka. J'aimerais en fait m'expliquer autrement. Limbo la, alo, mon sousou. Le
coûte que tu dépenses pour avoir quelque chose révèle demain dans le Seigneur la valeur que tu accordes à cette chose. Et l'œuvre de la croix de Jésus-Christ n'est pas seulement l'expression de l'amour de Dieu pour nous, mais aussi demain dans le Seigneur l'expression de notre valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu avait donné ce qu'il y avait de plus cher. Demain dans le Seigneur, les jours où le diable vit le fils de Dieu mourir à la croix, il était jaloux. Il était jaloux. Demain dans le Seigneur, les sorciers de ta famille te combattent. C'est parce qu'ils sont jaloux. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose. Toujours de ses privilèges. Le diable, lorsqu'il était Lucifer, il n'a jamais été fils de Dieu. Dieu n'a jamais été son père. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir crié en Jésus, Dieu a fait de toi son enfant. Il t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur, la position que même le premier Adam n'avait pas. Écoutez, Adam n'a jamais été enfant de Dieu. Il était un jardinier. Alléluia. Amen. Il était le garant de la terre. Il était le gérant de la terre. Et le trône de Adam était sur terre. Mais à cause de la foi en Jésus, Jésus dit ceci: là où il sera, c'est là aussi nous serons. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible déclare ceci: nous sommes assis avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ses privilèges, oh my God, le diable est au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, n'a jamais partagé le trône avec Dieu. Mais au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse, on nous présente les 24 êtres vivants. Et les 24 êtres vivants ne sont pas debout. Les 24 êtres vivants sont assis. Rechète à la baille des bras. Ah, le diable est jaloux. Si tu le vois te combattre, c'est parce qu'il est jaloux. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Je suis venu ridiculiser Satan. Papa Ayoka Sony. Alléluia. Amen. La deuxième raison. Tinami balé. Quel est le diable? Mais Satana. Et le sorcier de ta famille te combat. C'est parce que tu ne fais plus partie de leur camp. Écoutez. Boyoka. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mon combat Israël est venu d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon Pharaona a pris son armée et les a pourchassés. Pourquoi? C'est parce qu'il n'était plus en Égypte. J'aimerais te dire une chose. Vivre les combats de ta famille ne signifie pas que tu as des liens de famille. Tu ne comprends pas pourquoi depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les combats ne font que s'amplifier. C'est parce que tu ne leur appartiens plus. Quand tu vois les chars de Pharaon derrière toi, c'est parce que tu n'es pas en Égypte. Combattre classe na yo. C'est parce que na mulangi batako nos ala rali sous soutien. Obimakala. Alléluia. Amen. Toutes ces agitations, c'est parce que les jours où tu as donné ta vie à Jésus, la Bible déclare ceci: Dieu nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils dans son amour. Tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Il y a une différence lorsque le diable, un païen vit les combats et un chrétien. Le païen vit les combats parce qu'il est des diables. Mais toi, tu vis le combat parce que tu n'es plus du diable. Yo, les sorciers de ta famille te combat parce que tu n'es plus le diable. Yo, n'est-ce pas que bien aimé dans le Seigneur? Lorsque un prisonnier s'évade, qu'est-ce que les policiers font? Ils se les poursuivent. Wanted. Et hier, tu étais prisonnier du diable. Et par la foi en Jésus-Christ, tu es échappé de cette prison. Raison pour laquelle tu vois les sorciers te pourchasser. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle j'aimerais te dire une chose. Le combat est normal. Le combat est normal. Le combat est normal. Tu ne comprends pas, tu as donné ta vie à Jésus. Cet oncle-là ne t'aime plus. C'est parce que dans la prison, quand on a battu toute la famille, on a osé la rallisoude. Et bien, dans le Seigneur, troisième raison que le diable te combat, ce n'est même pas à cause de ta beauté, mais c'est à cause de ta destinée. Écoutez, pourquoi les frères de
de Joseph. On voulait tuer Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que bien aimé. Oh my God. C'est à cause de ses rêves. Lorsqu'ils lui ont vu, ils ont dit, regarde le faiseur des songes. Regarde le faiseur des songes. Et quand vous voyez bien aimé dans le Seigneur, un vieux papa comme Hérode cherchait à tuer un bébé qui vient de naître en Bethléem. Ce n'est pas parce que c'est un bébé. Parce que lorsque les mages sont venus, ils lui ont dit ceci. Nous sommes venus adorer les rois. J'aimerais te dire une chose. L'ennemi te combat à cause de ce qui est en toi. À cause de ta destinée. Le diable n'a qu'à faire de ton présent. Le diable n'a qu'à faire de ton aspect physique. Ce qui l'effraie, c'est ta destinée. Et j'aimerais vous dire une chose. La présence des combats dans votre famille sont des preuves que votre famille est bénie. Alléluia. Parce que le diable vient de le Seigneur. Ne change pas de famille. Ne change pas de famille. Pourquoi il y a de la guerre à l'est? Parce qu'il y a des minéraux. Mais j'aimerais te dire une chose. La présence de l'ennemi dans ta vie est une preuve que tu as quelque chose. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu. On présente le diable comme un voleur. Le voleur ne vient que pour voler. La présence des voleurs révèle qu'il y a quelque chose de précieux à voler. Alléluia. Si tu vois les démons te combattre, adore Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est anormal lorsque toi les sorciers ne te combattent pas. Alléluia. Amen. C'est anormal. Un homme qui vit doit subir les combats. Alléluia. Amen. La quatrième raison que l'ennemi te combat, c'est parce qu'il a peur de toi. Tu sais pourquoi les sorciers de ta famille te combattent? C'est parce qu'ils ont peur de toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui te combat. Reconnaît en toi la capacité de le faire du mal. C'est lui qui te combat. Vois en toi un danger pour lui. Raison pour laquelle vous allez voir Pharaon. Il a donné un ordre qu'on puisse soumettre les enfants d'Israël à des grandes corvées. C'est parce qu'il avait peur. Il avait peur. Pourquoi? Parce que ce peuple était grand. C'est parce que ce peuple était puissant. Parfois tu te poses des questions. Pourquoi il y a la concentration de combats dans ma vie? C'est comme si toute la sorcellerie de ma famille s'abatte contre moi. C'est parce qu'ils ont peur de toi. Ils savent que non, toi tu peux résoudre les choses. Ils savent que non, tu peux renverser les royaumes. Pharaon était conscient qu'Israël sans armes, sans armée, pouvait renverser son royaume bien organisé. Et le diable sait très bien que à toi seul, à les sorciers de ta famille savent que à toi seul suffit pour que la délivrance de ta famille entre. Alléluia. Amen. Parce que même dans le Seigneur, avec Jésus, on n'a pas besoin de beaucoup de chrétiens pour que le diable soit bien dans le Seigneur expulsé. Parce que la Bible déclare ceci. Nous sommes la lumière. Et une ampoule seule suffit pour éclairer toute une avenue. Tout dépend bien dans le Seigneur de la quantité. Oh, tout dépend bien dans le Seigneur des niveaux de watts. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas que beaucoup de personnes se convertissent. Élève ta spiritualité et tu vas éclairer. Élève ta spiritualité et tu vas éclairer. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille te combattent. C'est parce qu'ils ont peur de toi. Le diable te combat. C'est parce qu'il a peur de toi. Le diable te combat. C'est parce qu'il se sent menacé par toi. Alléluia. Mais la cinquième raison, lorsque tu vois les agitations du diable, c'est pour en fait te détacher de Jésus. C'est pour te détacher de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat les bons combats de la foi. Les cibles principales des sorciers, de l'adversité, de l'ennemi, c'est ta foi.
Quand tu vois le diable combattre tes études, c'est pour t'amener à remettre en question ton espérance du salut en Jésus. Quand tu vois même dans le Seigneur, le diable combattre ta santé, c'est parce que même dans le Seigneur, il veut t'amener à douter de l'amour de Dieu. Et être enfant de Dieu ne signifie pas que le diable ne va pas te toucher. Parce que dans Matthieu le chapitre 4, on nous présente Jésus. Oh my God. Jésus qui revenait des jeunes. Et le diable s'est présenté à lui. Et la Bible déclare Satan transporta Jésus. Satan transporta Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de croire qu'être en Christ ne signifie pas que non, le diable ne va pas te toucher. Parce que s'il a touché Jésus, s'il a transporté Jésus, il peut aussi toucher à tes études. Si il crée vraiment bien, mais il touche tes études. Parce que les cibles, c'est quoi? C'est ta foi. Alléluia. Amen. Les cibles, c'est ta foi. Le combat est réel. Je suis étonné, papa. L'apôtre Paul, lorsqu'il introduit l'épître aux Éphésiens, il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous avait donné toute bénédiction spirituelle en Jésus. En lui, nous avions la bénédiction. En lui, la rémission. En lui. Mais dans 6, il dit, nous n'avions pas à lutter. Quand il dit nous là, c'est nous les chrétiens. Contre la chair et le sang. Mais contre les principautés. Pour dire que le combat est normal. Mais la défaite est anormale. Le combat est normal. Mais la défaite est anormale. J'entends souvent certains prédicateurs dire, oh non, en Jésus, il n'y a pas de retour. Il y a des retours. Quand vous voyez les hommes de Dieu, l'idée de toucher à leur réputation, c'est quoi? Satan aussi m'a comment la brisé. Les retours de mes dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Les retours résistent. Ezalaka. Mais même dans le Seigneur, cela dépend de le niveau de ta consécration. Alléluia. Le diable s'est senti tellement menacé par le ministère de Jésus. Il a touché la réputation de Jésus. Il a amené les gens à dire qu'il est Belzébul. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, à un moment de la vie, il ne faut pas se battre pour ta réputation. Parce que vouloir ou pas, ça sera seulement souillé. Le diable va suivre ta réputation. Attache-toi beaucoup plus à ta réputation céleste. Parce que là, c'est la seule réputation que le diable ne peut pas corrompre. Alléluia. Attache-toi à ta réputation céleste. C'est la seule réputation que l'ennemi ne peut toucher. Mais ici sur terre, il peut en fait suivre ta réputation. Oh non, mon témoignage, ceci, c'est là. Voilà pourquoi vous qui aimez chercher les témoignages des gens, vous risquerez de passer à côté de Jésus si vous lui posez la question aux Juifs. Parce que pour les Juifs, il est un Belzéboul. À un moment donné, c'est important de chercher les témoignages. Mais le plus important, c'est de chercher les témoignages de l'Esprit. Alléluia. Et bien, mesdames les Seigneurs, l'une des dernières raisons qui permet à l'ennemi de te combattre, c'est parce que tu grandis en dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Écoutez, dans la spiritualité, plus tu grandis en dimension, plus tu rencontres les démons qui combattent cette dimension. Le gouvernement satanique est bien organisé. Alléluia. Amen. Il y a des démons qui combattent les bébés spirituels. Et il y a des démons qui combattent même dans les seigneurs, les fils de Dieu. Il y a aussi des démons qui combattent des esprits supérieurs. On a tous des combats. Mais même dans les seigneurs, on n'a pas tous le même niveau de combat. Alors même dans les seigneurs, la taille des combats dépend de ta catégorie spirituelle. Raison pour laquelle les jours où David il a reçu l'onction, ses adversaires n'étaient plus les lions et les loups.
réponse. Cette fois-ci, il a rencontré qui? Goliath. Tata Goliath. Alors, quand toi tu rencontres Goliath, tu commences à pleurer. Non! C'est parce que tu as monté des dimensions. C'est parce que tu as monté des dimensions. Et tu rencontres l'adversité attachée à cette dimension. La Bible déclare ceci. Les jours où les Philistins ont entendu que David, on l'a oué. Directement, ils sont venus les combattre. J'aimerais vous dire une chose. Chaque percée spirituelle déclenche même dans les seigneurs des agitations dans le monde de l'ennemi. Déclenche même dans les seigneurs les agitations dans le monde de l'ennemi. Alors tu ne peux pas comprendre, mais je viens de finir 40 jours de jeûne. Mais c'est comme si les combats se sont encore amplifiés. Ces combats sont des prophéties que tu as montées des dimensions. Alléluia. Amen. Montre-moi tes combats. Et je te dirai en fait ton niveau spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, c'est intitulé la défaite Coppola avec le diable est anormal. Coppola, c'est anormal. C'est anormal. Quand vous lisez bien dans les Seigneurs, 1 Jean le chapitre 4, la Bible déclare ceci. Permettez-moi de le lire. Acclamons pour cet interprète. Amen. Il est spirituel. Amen. Amen. Il y a des interprètes qui posent au Wapinzambi. Ah. Gak soyez bénis. Amen. Amen. Hein? Vous petits enfants. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que c'est lui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez bien dans les Seigneurs. La victoire face à l'ennemi. La victoire face aux prisons de ta famille. Ce n'est pas d'abord fonction de ta prière. Mais c'est à cause de la présence de celui qui est en toi. Il dit ceci. Vous l'aviez vaincu. Parce que c'est lui qui est en vous. Oh, c'est lui qui est en vous. Oh, est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un. C'est lui qui est en toi. Oh, est plus grand que la sorcellerie de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est en toi. Oza Katino est plus grand Oza Minga que les liens de ta famille. Kole Katama Singa Libosa. C'est lui qui est en toi. Oza Katina yo. Oh my God. Zambe Nangai. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Je vais seulement le dire ici. Écoutez bien dans les Seigneurs. L'alliance de Golgotha est plus âgée que les alliances ancestrales. L'alliance de Golgotha. Alléluia. Amen. Est plus ancien que l'alliance même dans les Seigneurs. Oh my God, donne-moi la main. J'aimerais encore vous choquer. L'alliance de la croix est plus âgée que l'alliance de la loi. Parce que même dans les Seigneurs, Hébreux est en train de dire ceci. Il dit que la loi, l'Ancien Testament, était l'ombre des choses à venir. C'est ça, n'est-ce pas? Or, il y a mon ombre parce que je suis là. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament existait déjà. Ça commençait depuis l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les alliances spirituelles là, toutes les alliances de la sorcellerie là, à l'alliance de Golgotha, et à Moukolo, l'alliance de Golgotha est comme là. Et ce qui garantit ta victoire, c'est parce que c'est lui qui est en toi. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi même dans les Seigneurs. Parce que prison mancale contenir l'été. L'une des choses qui fait que la prison démoniaque de ta famille ne te contient plus. Parce que c'est lui que tu portes. Est plus grand. Oh!
Oh my God. Or, bien aimé dans le Seigneur, se comporte. Prends la taille bien aimé dans le Seigneur de notre corps. Et sur mesure. Bien aimé dans le Seigneur, si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est que notre esprit aussi est plus grand. Est plus grand. Raison pour laquelle on n'a jamais dit qu'une personne est remplie de démons. Mais une personne est remplie de l'esprit de Dieu. Parce que ton esprit même dans le Seigneur est la surmesure de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la présence de Dieu en toi, ah, les prisons ne seront plus de contenir. Les prisons ne seront plus de contenir. Il est possible même de le Seigneur. Il est possible de prendre un habit, de le plier et de le faire entrer dans un trou. Mais lorsqu'il est dans un corps, on ne peut pas le plier. Pourquoi? Parce que ça prend la forme du corps. Et c'était normal avant Jésus que l'ennemi puisse jouer de ton esprit. Parce que cela n'avait pas la taille. Oh my God. Parce que cela n'était pas porté par celui qui devait le porter. Parce que cela n'était pas habité par celui qui devait l'habiter. Mais maintenant c'est impossible. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, celui qui est en toi est plus grand. Alléluia. Voilà pourquoi même dans le Seigneur, quand un chrétien est vaincu par les diables, c'est normal. Parce que tu portes celui qui est plus grand que eux. Celui qui en toi est plus grand. Et comment les sorciers de ta famille peuvent te lier encore? C'est anormal. Tu portes celui qui est plus grand que la sorcellerie de Kinshasa. Mais comment tu subis encore les lois de Kinshasa? C'est anormal. Dites avec moi, c'est anormal. Je viens te donner ce soir la colère. C'est anormal. Amen. Et pourquoi c'est anormal encore? Parce que dans Jean, le chapitre 3, le verset 6, Jésus qui dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Regardez l'esprit là. Ce n'est pas écrit en majuscule. C'est écrit en majuscule. Et dans la Bible, quand on écrit un esprit en majuscule, il s'agit donc de l'esprit de Dieu. On dit ceci: celui qui naît de Dieu devient participant de la nature divine. Celui qui naît de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, devient bien aimé dans le Seigneur de la même nature que Dieu. Tu es esprit. Or dans Genèse le chapitre 3, le verset 19, lorsque Dieu était en train de punir l'homme, à la fin lui a dit ceci: tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont des poussières. Et dans Genèse le chapitre 3, le verset 14, lorsque Dieu est en train de punir les diables, il a dit ceci: tu mangeras la poussière de la terre. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui étaient d'Adam était la nourriture du diable. La raison pour laquelle c'était normal qu'avant Jésus, c'était normal avant Jésus que l'ennemi ne puisse jouer de toi. Mais quand tu nais d'esprit, tu quittes la dimension de poussière, tu deviens un esprit. J'aimerais dire à quelqu'un: tu es un esprit. Tu n'es plus la nourriture. Oh my God. Tu n'es plus la nourriture du diable. Tu es un esprit. Et les diables même dans les seigneurs. Les diables. Satan. Les diables. Les diabolo. Oh my God. On l'a pas soumis. Sa digestion spirituelle ne peut pas manger l'esprit. Sa digestion spirituelle. Ses intestins. C'est nourri que de la terre. Eliaka, ma belle, ces intestins même dans le Seigneur ne peuvent pas contenir l'esprit. Raison pour laquelle Dieu disait: je dois en fait changer, oh my God, les programmes. Autrefois ils étaient esprit. Autrefois ils étaient la terre. Ils étaient poussière. Raison pour laquelle les diables se nourrissaient d'eux. Je fais maintenant des esprits.
je les rends en fait à ma nature. Car le diable ne peut pas manger Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare, vous petits enfants, vous êtes dédiés. Les diables ne peuvent pas te manger. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te manger. Parce que tu es un esprit. Et quand je vois un esprit, oh, on dit d'un esprit même dans le Seigneur, c'est du vent. On essaie d'où il vient, d'où il va. On ne peut pas arrêter les vents. Bien aimé dans le Seigneur, l'une des raisons que les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'arrêter, c'est parce que tu es un esprit. On ne peut pas bloquer un esprit. Dieu t'a donné une nature indomptable. Il t'a donné une nature indomptable. Les diables ne peuvent pas te dompter. Et quand tu vis même dans le Seigneur, les prisons de ta famille, c'est anormal. Dis-moi, c'est anormal. Dis-moi, c'est anormal. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est anormal? Parce que c'est lui qui te combat. C'est un serpent dont sa tête a été écrasée. Écoutez, le diable, c'est un adversaire déjà vaincu. Yes, a bobolé le coup tout nekoulousou. A dépouillé et bien aimé dans le Seigneur. Et il est devenu faible. Raison pour laquelle il aime opérer dans la... Oh my God. Raison pour laquelle il aime opérer dans les ténèbres. Parce que s'il vient dans la lumière, on verra les bobotou et sa bête nekoulousou. Raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur. Amenez le diable à la lumière de la parole. Vous allez voir qu'il est dépouillé. Amenez le diable à la lumière de la parole. Vous allez voir qu'il est dépouillé. Amenez le diable à la lumière de la parole. Vous allez voir que c'est un serpent dont sa tête est écrasée. Et je pense que... Oh my God. Dieu dit à la femme, il dit plutôt au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Pourquoi on ne l'a pas en fait écrasé seulement la queue? Pourquoi seulement la tête? Or, les venins du serpent, c'est au niveau de sa tête. C'est dans sa tête, bien dans le Seigneur, qu'il y a son pouvoir. Et quand on parle de la tête dans la Bible, on voit la seigneurie. On voit l'autorité. On voit bien dans le Seigneur le pouvoir. On voit bien dans le Seigneur la puissance. Et Dieu dit ceci, la postérité de la femme écrasera ta tête. En d'autres termes, la postérité de la femme écrasera ton pouvoir. La postérité de la femme mettra fin à ton règne. La postérité de ta femme, la postérité de la femme enlèvera ton autorité. Et cela s'est accompli, bien aimé dans le Seigneur, à la croix. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les diables. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les diables. Il a écrasé sa tête. Et le fait d'écraser sa tête, même dans le Seigneur, je pense, et bouger les bannières. Les diables, c'est un fou. Alléluia. Choc et coulou, c'est bouger les bannières. Alléluia. Choc et coulou, c'est bouger les bannières. Sans que Koulou se bouge même dans la famille de Binobaner. Raison pour laquelle les sorciers ne sont pas intelligents. Balière quand vous êtes sur ma famille. Après son allié, comment le lanaïe va quitter. Sans que Koulou se bouge dans mon moutou. A comment tu l'as. Bien aimé dans le Seigneur, les coups étaient tellement forts. Que elle est diable et ses adeptes sont devenus des fous. Raison pour laquelle on les demande de manger même dans le Seigneur des matières fécales l'image. C'est parce qu'à la croix, le choc était tellement fort que ça bougeait même ses nerfs. Et ton adversaire même dans le Seigneur, sa tête a été écrasée. Donc tu combats un adversaire. Tu combats un adversaire qui est un inapte. Qui est un inapte. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il dit tout pouvoir m'a été donné.
Donc il a arraché au diable le pouvoir qu'il avait sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Et quand bien-aimé dans le Seigneur, tu as peur des sorcières de ta famille, c'est une insulte. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Quand le sorcier de ta famille te lit, c'est anormal. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, ton adversaire, Jésus en a fini avec lui. Alléluia. Et le Jésus qui a tabassé les diables, c'était un Jésus faible. C'était un Jésus tabassé. Si le Jésus fatigué, écoutez, l'œuvre de la croix de Jésus nous présente que les diables Alemba. Alléluia. Jésus a bêté après jeûne 40 jours. Alors il a laissé qu'on les tabasse, qu'on les crucifie. Il est devenu vraiment très faible. Très faible. Vous savez, l'arme auquel on utilise pour combattre un adversaire nous permet même dans les seigneurs de voir aussi qui est l'adversaire. Raison pour laquelle pour David, Goliath n'a jamais été un géant. Il était un oiseau. Parce que même dans les seigneurs, on combat qu'un oiseau par des lances. Comment on va combattre un géant na lance? C'est parce que pour lui, ce n'était pas un géant. C'était un oiseau. J'aimerais dire à quelqu'un, les démons géants de ta famille, c'est un oiseau. Et pas n'importe quel oiseau. C'est un moineau. Prêche, papa. Alléluia. Amen. C'est un moineau. Et l'œuvre de la croix de Jésus nous présente que non, le diable est tellement faible. Parce que c'est un Jésus affaibli. Vous savez qui a vaincu le diable? Isaac et Bembe à Yesu. Soge Bembezo paie sa victoire. Maintenant, c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Ce n'est pas un Jésus de cadavre. Amen. C'est un Jésus, oh my God. Amen. Raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur. Oh, le diable ne peut pas te vaincre. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est un Jésus qui est à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui est en toi. C'est un Jésus ressuscité. C'est un Jésus revêtu d'autorité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est anormal la défaite avec les diables. Je comprends pourquoi. Dieu pouvait dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront. La présence de Dieu ne les empêche pas de te faire la guerre. Mais la présence de Dieu les défend de te vaincre. Alléluia. Amen. Et pour finir, le troisième point, je vais finir. Il me reste que 2 minutes. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Pesa amen ya bien. Donne-moi un amen. Bakisango mafuta. Alléluia. Amen. Écoutez. Boka. Troisième point. Si la misato. Vous savez, les frères Ibn. Alléluia. Amen. Écoutez. Le troisième point est que si la misato zali. La défaite avec les diables. Comprenez cette année. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est de ta propre responsabilité. À chaque fois que le diable te bat, à chaque fois que les sorciers de ta famille te bloquent, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu a déjà résolu ses problèmes il y a des années, 2000 ans. Écoutez, dans les tout est accompli de Jésus, il y a même aussi ta victoire face à l'ennemi. Il était lié pour que toi tu ne sois plus lié. Alors à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es un enfant de Dieu, tu vis les prisons, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de ta propre faute. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de ton identité. Tu es conscient de comment la sorcellerie de ta famille opère. Mais tu n'es pas conscient de tes droits étant qu'enfant de Dieu. Or, la Bible déclare ceci. Mon peuple est périt.
faute de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas faute de prière qui nous fait périr. C'est faute de connaissance. Tu ne connais pas qui tu es réellement, Jésus. Parce que si tu connaissais, bien-aimé dans le Seigneur, qui tu es en Jésus, qui tu es en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus t'agiter comme tu t'agites. Alléluia. Amen. On nous relate l'histoire d'un monsieur. Il dormait. Alali. Et puis le diable vient le réveiller. Satan est là, Moussa. Il dit, oh, ce monsieur s'est réveillé. Il lui a dit, c'est qui? Yule. Il dit, Satan. Satan. Abaye. Azongeli pongi. Soki na yebaki. Il dit, soki na yebaki. Ala mukite. Alléluia. Amen. Aviez-vous déjà vu un lion être agité par la présence des mouches? Et si on m'en a encore, abangou banzinzi baye. Un lion n'est pas agité. Nkosi, afandi. C'est parce qu'il connaît qui il est. Aïe, benenyaza. Connais ton identité en Christ. Et certaines agitations, tu l'arrêteras. Alléluia. Amen. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous perdons face à l'ennemi, c'est parce que nous n'avions pas développé les caractères de Christ. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, développez en vous celui qui a vaincu les diables. Et le combat face au diable ne sera qu'une défaite pour lui. Écoutez. Tout domaine de ta vie auquel tu es charnel, sache que tu rends vulnérable face à l'adversité à l'ennemi. Par exemple, les principes pour donner. Vous savez, le royaume de Dieu fonctionne par des principes. Une fois, j'étais dans une alimentation. Et quand j'entre dans la vitrine, je vis en fait, tout produit avait un prix. Et au ciel aussi, tout produit a un prix. Tu ne peux pas aller acheter dans une alimentation, une boîte de lait avec le prix d'un bazooka. 100 francs, il y a bazooka. On ne va pas te les donner. Pareil aussi avec les chrétiens. Dans le royaume de Dieu, tout a un prix. Dieu a établi les principes pour être béni financièrement. Ce n'est pas beaucoup prier, c'est donner. Mais toi, dans ce domaine-là, tu es charnel. Tu es charnel. Quand on te dit de donner à Dieu, tu refuses. Tu es capable d'acheter un cabello. Mais pour que tu t'es converti, as-tu déjà donné à Dieu même $50 comme offrande de dimanche? Au message, il y a 1000 francs. Il y a 500 francs. Mais tu es capable d'aller dépenser ton argent au restaurant avec cette fille. Après, il y a un peu de sous. Non. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Investissez votre argent dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Les mêmes personnes qui disent qu'ils ne travaillent pas, ils sont capables d'épargner pour acheter un iPhone. Quand il s'agit de donner à Dieu, là tu ne travailles pas. Mais quand il s'agit de cotiser pour un iPhone, tu es champion. Étant donné que tu es charnel dans ces domaines-là, les démons qui combattent les finances auront toujours le pouvoir sur toi. Parce que sur ces domaines, tu n'as pas développé les caractères de Christ. Car bien-aimé dans le Seigneur, Christ était modèle même en matière de donner. Parce qu'il a donné la meilleure offrande de sa vie. Raison pour laquelle les donner à Dieu, ça n'a rien à voir d'abord avec les avoirs. Mais c'est une question de maturité. Tout domaine de ta vie que tu es immature, le diable va toujours t'abattre. Avec le nom de Jésus, tu cibleras les prison de ta famille parce que tu es charnel. Alléluia. Amen. On doit vous dire ces vérités. Et troisième des choses, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu pries mais tu n'as pas la foi. Tu crois beaucoup plus au diable mais tu ne crois pas en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais finir en vous disant ceci. À chaque fois que tu cibles les prisons de ta famille, les oppressions de l'ennemi, pas même les oppressions, à chaque fois que le diable te bat, vérifie bien, la faute c'est à toi. Parce que même dans le Seigneur, ce combat a été résolu au ciel.
Pourquoi en fait le diable est là-bas? C'est parce que tu ne les chasses pas. Un diable que tu ne chasses pas, il ne va pas partir. C'est-à-dire que le diable attend tes ordres pour partir. Alléluia. Amen. Parce que le diable est même dans le Seigneur. Peu importe le niveau de la présence de Dieu qui t'accompagne, il viendra. Si tu ne les chasses pas, il ne partira pas. Les diables, on les chasse. Tout domaine de ta vie que tu vois le diable, arrête de t'agiter. Arrête même d'appeler Jésus. Parce que Jésus t'a déjà donné l'autorité. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Chasse-les. Alléluia. Chasse-les. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en devenant enfant de Dieu, les démons viendront. Mais la responsabilité, c'est à vous de les chasser. Tout domaine de ta vie que tu ne chasses pas les diables. Au lieu de les chasser, tu plaires. Au lieu de les chasser, tu gênes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien les jeunes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les jeunes sont puissants quand tu es conscient de ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'aime les midis de prière. On utilise notre autorité pour dire aux montagnes, déplace-toi. Pour dire à Satan, dégage d'ici. Au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas identifier tout domaine de ta vie où tu vois les diables. Si oui. Vaut mieux chasser les diables là où il n'est pas que de ne pas les chasser. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne connais pas bien dans le Seigneur le domaine auquel toi-même tu identifies les diables. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans tes affaires. Ça peut être dans ton finance. Ça, je ne sais pas moi quoi. Mais tout domaine de ta vie que tu ne vois pas, que tu vois les diables, que tu sens les oppressions, élève ton autorité. Nous allons nous élever dans la prière. Chasse les diables, chasse-les. Chasse-les. Benganaye, benganaye. Chasse-les. Benganaye ne si kanyos ya bomo ina yo. Tout domaine où le diable est en train de travailler. Tout domaine dans lequel le diable est en train de travailler. Chasse-le, 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 chasse-le. Chasse-le, chasse-le, chasse-le. Nakanisa kolongo bonde la koleka ngo. Je pensais que tu allais le chasser plus que ça. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? La rabashanda rabababa. Les répéter les bleus et les bas. Le domaine de famille où tu vois les prisons. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut avoir le même atmosphère comme à midi? Il y a des personnes qui prient comme des fous ici à midi. Il y a des personnes qui prient comme des folles ici à midi. Est-ce que je peux avoir cette même attitude ici? Des autorités, des autorités, des autorités. Oso bon de l'oso beta maboko. Oso bon de l'oso kweisa. Oso baby ça, oso repoussé. Le diable n'a pas le pouvoir là où tu l'as chassé. Le diable ne peut que travailler là où tu ne le chassais pas. Soko telemina kitsofani et kosu autorité. Je te rassure que cette semaine sera différente. Soko telemina kitsofani et kosu autorité. Je te rassure que cette fin d'année sera incroyable. Bonela, bonela. La rabada da ba 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 ya. Les répréquettes les vrais liens. Les chants à la braille. Yakanama yanama. Les brabababababa. Nous chassons, nous repoussons. 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 Fais tomber, fais tomber. Mets loin, mets loin, mets loin, mets loin, mets loin. Dans ma prière à vos frères, le lenga ko sambela nayo, il faut ça la différent. Dans ma prière à vos soeurs, le lenga ko bon de la nayo, il faut tout sentir qu'on a la rage. Il faut qu'on sente la rage. Est-ce qu'on peut sentir la rage de Dieu ici?
Rabade ate. Pri 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 pri. Je disais, il est possible que ta prière rencontre même les membres de ta famille. Il est possible que ta prière, aïe 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 aïe, que ta prière transforme leur réalité. S'il y a une personne qui sait que Satan a zanneke, est-ce que tu peux utiliser les armes contre lui? Qu'il tombe, qu'il faillisse. Qu'il tombe, qu'il faillisse. Qu'il tombe, qu'il faillisse. Qu'il tombe, qu'il faillisse. Ah, Chanderebro. Hey! Ayaniri à la brègue. Oh my God! Nous avons ainsi prié. Au nom de Rabbi Atanebe. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que David avait une autre révélation prophétique sur la personne de Goliath. Lui, lorsqu'il était en train de regarder Goliath, il ne voyait pas Goliath. Il le voyait un oiseau. Il le voyait un chien. Il le voyait un animal. C'est pour ça qu'il a utilisé les instruments des animaux. Le problème avec ton combat, c'est que tu le vois comme ce que le diable te présente. Le diable te présente stérilité. Toi aussi tu vois stérilité. Le diable te présente manque de finances. Toi aussi tu es en train de voir pauvreté. Le diable te présente célibat. Toi aussi tu es en train de voir célibat. J'aimerais aller plus loin. Le diable te présente aveuglement. Toi aussi tu vois aveuglement. Je prie le ciel que Dieu me donne en cette soirée des personnes qui ont le même esprit prophétique que David. Là où tu vois un problème, maintenant change ta manière de voir. Commence à voir une autre chose. Là où il y a pauvreté, proclame la richesse. Là où il y a célibat, proclame le mariage. Là où il y a sécheresse, proclame productivité. Déco, change ta manière de prier. Change ta manière de prier. Commence à prophétiser, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser, commence à prophétiser. Aloba koko beba. Mimona osobonga. Aloba koko sila. Mimona en train d'avancer. Baloba keko simbate. Mais mona negezo simba. Mona negezo simba. Ceux qui sentinelle mon kwabandiko prophétiser. Ceux qui sentinelle mon kwabandiko prophétiser. Nous sommes à la garnison des assoiffés de Dieu. Notre manière de prier, c'est comme les fous, c'est comme les folles, parce que nous sommes des sentinelles. Yakana kana yekana lavai. Le breka baba baba shai. Le ria de manéba. La kania d'abradeba. Lisa baba baba. Vois autre chose. Prophétise. Vois autre chose. Prophétise. Je vois le diable. Moi je ne vois pas le diable. Moi je vois la gloire de Dieu. Lia Rabat, c'est le la dia tolama. Père éternel, il n'y a pas de Goliath. Il y a les vrais des païens. Les vrais des païens. Il n'y a que la richesse. Et la 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 la. Moi je vois la croix qui les a débrouillés. Voilà pourquoi Père, je te prie Dieu, prophétise, change l'identité de ton problème, change l'identité de ton problème, change l'identité de ton problème. Je vois des personnes en train de ridiculiser le diable. Ah, 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 ah.
Rabia Nabea Zole Braya, Zole Braya. Ans. C'est Hadulap. Aya ho, aya ho. Verabashaya. Hadulap. Rebraya. Aya ho, aya ho. Hadulap. Aya ho, aya ho. Aya ho, aya ho. Aya ho, aya ho. Aya ho, aya ho. Aya ho, Hadulap. Oh, ces gens d'atmosphère, l'or nous fera défaut de continuer. Et cette onction t'accompagne sur toi. Que cette onction t'accompagne sur toi. Que cette atmosphère de prière s'attache à ta vie. Oh Seigneur, nous te bénissons d'avoir établi des hommes de Dieu pareils, des personnes capables de rebooster notre foi, de recharger notre détermination. Tu étais peut-être venu fatigué, abattu par des combats, mais ces genres de messages, les genres de messages qui ressourcent. Celui qui croit que le ciel a entendu sa prière, il acclame le Seigneur une fois, il acclame le Seigneur deux fois, il acclame le Seigneur trois fois. Nous avons ainsi prié au nom de... Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour la gloire du Seigneur? Oh, alléluia. Peuple de Dieu, je me répète de Dieu, donne-moi le pain de Galates 6. Homme de peuple de Dieu, j'aimerais qu'on honore la grâce par nos acclamations d'abord. Les protocoles, attendez. On va faire le service. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Maintenant, je me répète de Dieu. À cause de la nourriture que tu as reçue, la Bible a dit, partagez vos biens avec ceux qui vous partagent la parole de Dieu. À cause de la nourriture que vous avez reçue. Avant qu'on fasse tout autre programme, j'ai dit protocole, attendez. Avant qu'on fasse tout autre programme, fais-moi une très bonne offrande et viens honorer la grâce. Un panier suffit, Gabriela. Je veux voir des personnes qui savent honorer les hommes de Dieu dans cette église. Fais-moi une bonne offrande. Prends ton temps. Fais-moi une bonne offrande. Viens honorer cet homme de Dieu. À cause de la nourriture que tu as reçue. Chorale, à vous. Oh, secret place.
Alléluia. Alléluia. On va passer au monde des offrandes. On va te tenir le plan des offrandes. Là, maintenant, tu vas apporter ton offrande. Ce que tu as prévu à mettre dans la maison du Seigneur. Alors, sélectionne ça aussi très bien. Parce que c'est ce qui nous permet d'organiser le culte à venir. Le culte à venir. Alors, on apporte les offrandes que nous avions prévues dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut venir avec? Apportons, apportons. Est-ce que toute l'assemblée peut apporter l'offrande? Ce sont des choses qui nous permettent les clés même des bénédictions. C'est les offrandes. Venez offrir au Seigneur. 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 Si c'est tout, nous passons au service qui suit. Passons au service qui suit. Nous allons prendre. Je crois que c'est la construction, c'est ça? La construction. Et si tu as apporté ta dîme sur cette atmosphère ou une offrande d'action de grâce, nous l'attendons. Vraiment, le travaux sont en train de progresser par la grâce du Seigneur. Demain, on va faire les pilons de l'autre côté. Et nous prions le Seigneur que vous puissiez bien donner afin qu'on puisse directement attaquer les cryptages et que nous puissions aussi améliorer les choses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi pas par la grâce du Seigneur qu'on avance directement, qu'on élève le mur, qu'on fasse la deuxième partie du temple, qu'on refasse le bureau et qu'on finisse les toilettes. Alors, j'aimerais demander à tout le monde qui sait l'importance de soutenir l'œuvre de Dieu, de prendre une somme, je ne sais pas moi, ce que tu peux avoir, et de mettre dans le panier de la construction. De mettre dans le panier de la construction. Et si tu as ta dîme, dans l'offrande d'action de grâce, tu peux aussi l'apporter sous cette atmosphère. Est-ce que tu peux venir avec? Ça m'a besoin de vos contributions. Nous comptons sur vous, l'église compte sur vous. Alors s'il vous plaît, ne restez pas bras croisés. Soutenons cette construction, c'est notre église. C'est notre église, alors nous devons vraiment le soutenir. Yeah.
Nous n'attendons que toi. Nous n'attendons que toi. Est-ce qu'on peut le faire rapidement pour clôturer le culte? Yahweh Yosa. Construction l'église. J'attends la dernière personne. La dernière personne. N'attendons que toi. Soyez bénis. Amen. Nous passons au troisième service et le dernier, sous lequel je serai même en train de donner le communiqué. Nous serons en train d'apporter nos contributions de loyer. Et les amis qui ont pris les enveloppes des instruments, s'il vous plaît, veulent le remettre à la fin de ce mois. Nous devons déverser encore une somme pour ces instruments que nous avons. Ça fait grâce que ça puisse être à nous. Et payons cette dette pour que ça reste vraiment totalement à nous. Alléluia. Donne-moi un bon amen, frère. Alors, nous comptons sur vous pour la construction. Les amis, des enveloppes à porter. Si vous ne saviez pas qu'il fallait donner, vous n'avez pas pris les enveloppes, allez-je dire, et que ce soir, vous êtes touché pour celui de l'église à payer les instruments, vous pouvez aussi toutefois vous approcher avec. Et nous tous, l'église, toute l'église, nous nous levons pour contribuer au loyer pendant 2 minutes et nous allons clôturer ces moments. Est-ce qu'on peut s'avancer? Apportons le loyer, apportons les instruments. Que Dieu te bénisse. Apportons le loyer, apportons les instruments. J'aime le dire, si vous ne contribuez pas, il n'y a pas de magie. Pas de magie. C'est vous qui êtes ces partenaires puissants de l'église. Et comme le Dieu l'a dit, il est important de toujours songer à cela. Est-ce qu'on peut apporter cette offrande? Bouger nos sacs, nos portefeuilles et apporter cette offrande. Vraiment, j'ai besoin que vous puissiez le donner parce que c'est important et ce sont des paniers très importants. Si on ne les fait pas, l'avenir de l'église peut bouger. Alors, je vous en parle sans honte parce que c'est très important. Est-ce qu'on peut bouger et apporter cette contribution? Bouge, sœur, bouge. L'église en a besoin. Même ceux qui nous suivent en ligne, veuillez soutenir la construction, veuillez soutenir le loyer, veuillez soutenir les instruments parce que nous en avons vraiment besoin. Parce que sans cela, il n'y aura pas des rassemblements comme ça. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit, vous êtes bénis par l'homme de Dieu, vous êtes bénis par Impact 20. Mais sans cela, instruments, loyer, on ne pourra pas se réunir ici. Amen. Alors aide-moi à dire à ton voisin, apprends à venir avec ta contribution de loyer et des instruments. Celui qui ne le dit pas à son voisin,
faut le parler au voisin. J'ai dit, tu regardes, tu lui dis. Regarde-moi ton voisin et tu lui dis, frère, sœur, le pasteur dit, apprends à venir avec l'argent de loyer. Cette sœur-là qui t'époudre, regarde-la avec beaucoup d'énergie. Sœur, apprends à mener l'argent de loyer. Soit au bébé n'a pas la bonne église. Ton bébé n'a pas la bonne église. Mais l'église n'a pas ça, y'a. Y'a bise sous frère, sœur. Si tu vas au boudé, tu vas au voisin, tu vas. À partir de demain, dans le Tché Sabino. Frère, yo tcha mon alo a été. Sœur, yo tcha mon alo a été. Lève tes deux mains vers le panier. Lève tes deux mains vers le panier. Tu vas déclarer des paroles. On est en prière, hein, les amis. On ferme nos yeux, on prie. Lève tes mains vers le panier et déclare des paroles sur ton offrande. Même si tu n'as pas donné d'offrande, prie que Dieu bénisse ceux qui ont sémé. Alors demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Nous sommes en train de prier. Père, ton de grâce, Dieu de grandeur, bénis toutes personnes qui ont fait des actes sacrificiels pour bénir ton serviteur, pour bénir l'église, pour la construction et pour le loyer. Je prie le Dieu de grâce, Dieu de grandeur, que tu leur fasses énormément du bien. Je prie le Dieu de grâce, le Dieu de haut fait, que tu les amènes à vivre plus avec toi. Seigneur, vois ceux qui n'ont pas eu d'argent, vois ceux qui n'ont pas pu toucher. Éternel de grâce, donne-leur que prochainement, lorsqu'ils seront dans ta présence, qu'ils ne viennent pas le main vide. Je déclare ta vie bénie. Je déclare tes finances bénies. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi déclaré. Ensemble, nous acclamons. Demain, nous sommes ici à 12h pour notre temps d'impact du midi. Nous sommes dans le moment de feu. Les amis qui nous rejoignent à midi, le midi, ce n'est pas le soir. Midi, quand on vient, on n'attend pas qu'on puisse nous motiver pour prier. Déjà, quand tu viens, tu viens avec ta colère de la prière et tu mets le feu. Alléluia. Alors, demain, nous serons encore le soir ici pour un bis encore avec l'homme de Dieu, Rabouni Lofalo. Omoni, tangwate ya. Omoni, kimio zanon ne bandele. Et là, ça boni boni bongo na wetouni na poussière. Malaki se kotite. Amen. C'est pour cela beaucoup de personnes, des autres chrétiens, voient la spiritualité. Ils ont comme un peu de l'impact parce qu'eux ont beaucoup d'enseignements. Il faut aimer les enseignements. Alléluia. Il est en deuxième licence de la théologie. Donc bientôt, il sera licencié en théologie. Vous sentez la profondeur. Hein? Vous avez senti la chose. Verset Kende et Zong. Et Mathé qui est alors demain, il y a un cahier. Il y a un peu de coma. Aux yeux, Rémana et au Komiango. Mouron, ça m'a coupé son goulou pour Téa. Aux yeux, Rémana et au Sénin. Au Téa. Amen, quelqu'un. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la photocopie. Ou à l'habilité, il y a un peu de Bible. Voilà. Aux yeux, Rémana et au Kopiné. Il y a un peu de Rémana. Côté, il y a un peu de bois. Alléluia. On est debout pour clôturer ce moment. Allez, allez, alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Allez, allez, alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Laisse-moi chanter, allez, allez, alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien.
Laisse-moi chanter. Alléluia. Et change pas de métronome. Garde ça. Alléluia. Tout concours pour mon bien. Tout concours pour mon bien. Dis-le encore. Laisse-moi chanter. Alléluia. Alléluia. Tout concours pour mon bien. Tout concours pour ton bien. Les combats, les réalités, tout concours pour ton bien. Dis-le encore plus fort. Allé, allé, alléluia. Tout concours pour mon bien. Tout concours pour mon bien. Tout concours pour mon bien. Baïna ba stratégie, baïna ba stratégie. Baïna ba stratégie. Baïe pena bingambe. Bongi si ba plan na bango. Bongi si ba plan na bango. Bale mieli makambo na bango. Basi mana tatoli. Dis-le. Yahweh osa. Lo bango na mote manayo. Bale nanga. Hey. Nako bange lo kose. Oh my God. Hello. Yahweh osa. Gambo nangaye. Nako nanga. Hey. Nako bange loko se. Oh my God. Hey loko. Laisse-moi chanter. Allé, allé, alléluia. Tout concours pour mon bien. Tout concours pour mon bien. Laisse-moi chanter. Ah.